la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est parti pour un autre nouveau daily vlog. Je suis en train d'essayer les vêtements que j'avais fait coûte. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais fait coûte des vêtements. Je vais vous montrer parce que ça n'a pas de sens. J'ai envie de faire une vidéo sur comment je vous montre mes anciens vêtements parce que j'ai l'impression que va falloir encore ajuster. Donc je vais vous mettre mon trépied, je vous montre ça. Donc vous voyez ici, il y a déjà de l'espace ici, il y a l'espace ici, ici aussi. Donc je me dis, ah, je peux toujours porter ça, c'est pas mal. Mais voilà, je vais juste mettre un soutien gorge, mais sinon je trouve que j'ai beaucoup perdu au niveau du dos. Pourquoi il y a toujours cet espace là? Dans l'ensemble, je suis très fière de moi. Je continue ma perte de poids progressivement. Vous savez, je me mets pas de pression. Je perds progressivement toutes les semaines au moins 2 kilos et j'arrive progressivement à où est-ce que je veux arriver. C'est vrai qu'à un moment, on se fatigue. On se fatigue parce qu'on veut aussi vivre comme les autres. On veut vraiment vivre comme les autres. Mais bon, après, on se dit que tout ce travail-là, c'est pas pour que ça aille dans l'eau. Donc, je continue simplement. Je vais choisir ce que je vais pouvoir mettre parce qu'aujourd'hui, je commence à partager les épices par rapport à mon jeu concours. Et que dernièrement, j'ai fait un live où j'annonçais les gagnants. Et donc je vais commencer à partager ça tout à l'heure. Et au fur et à mesure, je vais continuer à distribuer les autres paquets. J'ai encore changé d'habit parce que l'autre robe, je l'aime bien. Mais il fait super chaud, donc pour ceux me voir, c'est assez encombrant. J'ai décidé de porter celle-ci que j'aime beaucoup. Mais je me rends compte que vous voyez ici, c'est hyper large. Donc même si tu fais comment, ça se voit en fait que c'est... que ce n'est que ça qui tient là, donc obligé de changer pour mettre autre chose parce que là comment je fais ça? Le haut de mon corps a beaucoup plus maigri que le bas de mon corps, là c'est clair. Donc je cherche encore un autre truc, une autre robe, je vais essayer et puis j'arrête d'essayer, je suis fatiguée d'essayer parce que là vraiment, celle-ci était vraiment top avec le climat et je me dis voilà maintenant il faut qu'on sert alors que ça me serait très bien comme ça, maintenant c'est pas moyen de voir un truc aussi beau. Bon, je vais encore chercher, je vais bien. C'est vrai que je voulais que ça soit vraiment Afritude et toujours porter la vie Afritude. Voilà, j'ai porté ma robe habituelle à la place. Je pense que c'est mieux. Avant, ça me serrait un peu parce que c'est du M et je faisais du L. Et en haut, maintenant, j'ai l'impression de faire du M parce qu'avant, je faisais du L en haut. Et en bas, je faisais du XL. Et j'ai l'impression que je suis en train de passer à du L. Donc, progressivement, petit à petit, ça fait de l'effet en fait. Donc là, je crois que ça va. Je vais juste finir de m'apprêter. Je vais pas faire de make-up parce que j'ai pas envie. Parfois, comme ça, il y a pas le soleil, mais ça chauffe, tu comprends même pas pourquoi. Donc, je vais juste faire ça. Après, je vais prendre le paquet de la personne que je m'en vais donné qui est juste à côté de moi, donc je commence par ceux qui sont plus proches avant de terminer avec ceux qui sont un peu loin. Donc c'est pas tous les jours, mais un jour je peux, voilà, je ferai à la personne qui a gagné. C'est pas que je vais faire pour pouvoir aider les gens, je pense que vous donnez mon numéro. Super pour la famille, c'est très très bon. Et c'est quand je m'apprête déjà à sortir que le petit bonhomme ici a décidé de dormir. Ça va devenir compliqué. Parce que je dois récupérer le poulet et je dois également donner le petit colis et je dois également prendre Raphaël à l'école. Donc tout ça. Mais je l'avais les deux petits là et là je suis en train de terminer de faire un flyer pour YouTube et là je vais m'appliquer pour aller au sport, donc je vais laisser les deux gagnants ici. Donc la famille, je suis de retour. Vous voyez, j'ai beaucoup transpiré. Bon, pas trop parce que j'étais aussi un peu ballonnée. Avec le poulet là, c'était pas évident. Et là, je suis en train de vouloir faire quelques séances ici à la maison.
Et après ça, je pense que ça sera bon niveau sport pour cette journée. Hier, j'ai raté sport aussi parce que je n'étais pas très en forme. Donc là, je fais le maximum en fait. Ouh. Ah, c'est quelque chose. Ah. Non, marcher c'est bien. Éliminer c'est dur. Je suis kiff. Pourquoi je suis kiff, famille? Aïe! Donc là, je vais faire mes étirements. Et hier, j'ai commencé à laver mes cheveux. Mais j'ai pas pu terminer avec mon traitement. Donc je vais faire mon traitement ce soir. Je vais me coucher un peu plus tôt. Vous posez peut-être la question pourquoi je fais le sport sans soutien. Juste parce que je sais pas ce qui peut m'aller. Les matières de sport là, les body là, j'utilise. Sauf que si vous voyez derrière mon dos, ouais, les tenues de sport me blessent. Tout ce qui est bras là, ça me trace, ça me blesse au niveau des hanches aussi, celui des collants. Donc j'ai du mal, ma peau est tellement sensible, je sais pas quoi prendre. Je peux pas non plus faire sport avec les soutiens. Mais j'ai constaté que chaque fois que je porte ces body là de sport, c'est très grave. Je me fais hyper mal, je me fais des blessures. Donc si vous avez une astuce, n'hésitez surtout pas. C'est pourquoi je préfère beaucoup plus ces matières en coton, parce que sinon ça m'irrite. Les autres matières m'irritent vraiment, mais c'est vrai qu'après ça ne soutient pas la poitrine. Mais je préfère ça que de ne pas, que d'avoir des blessures sur le, comme si j'appartenais à un groupe de, je sais pas moi, des satanistes, majocistes. C'est dit majocistes. Un groupe de maso là qui se tape. Non. Guys, je fais pas ça moi. Donc, au revoir. Chers amis, je suis debout avec un peu de retard. Et j'ai loupé ma séance de 6h du matin de sport. Donc, je vais essayer de la rattraper. Histoire voilà, de maximiser quoi. Et mes cheveux sont un peu difficiles ce matin. Donc, du coup, j'ai juste voulu faire une sorte de chignon à ranger là, comme je peux, pour pouvoir mettre mon chapeau et tout. Donc, on part ensemble faire ma séance de sport. Le bête est terminé et je suis quand même avec mon petit parapluie. C'est quand même mieux que le soleil. C'est ainsi, je préfère que la pluie. Parce qu'il fait super chaud, donc là au moins ça va, ça nous réchauffe un peu la planète là, c'était déjà de trop. Nous sommes allés manger des pizzas, ma soeur et moi, et les enfants adorent vraiment, vraiment tout ce qui est pizza. Donc on a commandé 3 mini formats des pizzas que nous avons mangé. Et pendant que j'entendais que ma soeur revienne car elle a eu une urgence, les enfants s'ennuyaient tellement. Famille, là on venait chez ma soeur, on est arrivé hier soir. C'est pourquoi après j'ai fait un live, j'ai arrêté. Donc on vient de se réveiller là, on va partir voir une de mes amies qui était la lumière des enfants. Il n'y a pas la lumière aussi ici. Donc là on va partir, ils sont en train de manger. Tutu, c'est bon. Ah bon? Et t'en as trouvé le bébé de tata Ghislaine? Il ne veut pas se séparer du bébé de tata Ghislaine. Tata Ghislaine. Dans ce moment, tonton fouille, on est déjà prêt. Il va nous déposer. Et on va passer moitié de la journée ensemble. On va commencer par faire le gâteau chocolat. On a 2 gâteaux à faire. Elle est riche, elle est bonne. On ne veut pas trop. C'est bon, non? On ne va pas trop. Regarde ma tête.
les gâteaux. J'étais en live tout à l'heure, j'ai pas pu finir. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné à Mathieu. Voilà Mathieu. Donc, ça sent. Qui a baissé le fort? Il est mieux que tu torches parce que t'as pas l'enfance élevée. On dit torche. C'est papa qui se lève. Les deux même, mais c'est comme si papa n'est pas encore cuit. Viens monter un peu le four. C'est mieux de laisser la bonne vision, c'est comme si c'est pas encore cuit. Le milieu est encore un peu tendre. Passez peut-être le feu tout. Oui. T'as pas la main donnée? Yes. Oui. Tu dis que ça sent quoi? C'est bon. Ouais. Là, ça refroidit, on va tout écouter. On dit qu'on verse une dans le gâteau. Tenez, ça j'aime pas. Moi, le gâteau, t'as pas juste belle. Elle nous a fait le que tu peux pas mettre le glaçage maintenant. Je dis, tu peux pas mettre le glaçage maintenant. Je dis, tu peux pas mettre le glaçage maintenant. Juste là. Je me fais chier. Ouais, hein. Tu vois, ça ne prend pas bien. En même temps, c'est vos fautes. Putain, mais peut-être il est gros, mon souci. Voilà notre gâteau. Je vais apporter un meilleur pour la présentation. Et ensuite, on va passer à la décoration. On est dimanche et on est en train de partir tous à l'église. J'ai essayé de faire un petit make-up là. Mais...